Hey yo les petits potes, c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Simplement on fait le défi de l'esprit électrique. Voilà, simplement donc je suis à une défaite, une victoire parce que j'ai essayé des decks. Voilà, donc ça je pense c'est clairement le meilleur deck. Je l'ai essayé, il est méga fort et quasiment imbattable. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. Et si vous voulez, vous pouvez même le mettre comme ça parce que je me souviens d'un truc, la mousquetaire à la place ça va être mieux. Voilà, donc simplement c'est une version classique. Normalement la place de l'esprit électrique et l'esprit de glace, mais l'esprit électrique est bien mieux que l'esprit de glace. Et puis c'est parti, avant la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à la mettre un petit pouce bleu et à liker, à vous abonner, putain, oh, je suis fatigué. Et à rejoindre mon clan les gars, et évidemment la gloire. Ok, donc il pose une mousquetaire, on va partir en Arc-X Def. Petit Arc-X défensif. On va mettre une Tesla. On va mettre un chevalier, évidemment. What? Ah ok. J'ai un peu raté ma Tesla, mais c'est bon, aussi. Bon, on va cycler avec l'esprit. Ah. Ça, c'était moins prévu, ça. Attends. Géant MK. Ok. On va poser le mousquetaire. On va reposer un Arc-X. On va avoir besoin de bûches. Genre maintenant, là, tout de suite. On va avoir besoin du snowball là, maintenant, tout de suite, c'est la même chose. Ok. L'Arc-X, il fait une bonne def. Bon, là, on va tranquillement s'installer. S'il ne casse pas trop les couilles. Je crois que le mousquetaire one shot pas l'esprit, ça c'est cool. Normalement il y a moyen de faire des plays comme ça, genre. Si tu le rates pas. Parce que là je t'ai pas mis trop goût là. Ok. La petite pompe tranquillement, j'espère qu'il a pas de gros sort. Il a un géant par contre. Ouais bon ça c'était pas. Et mec, tu sais que j'ai. Non mais mec. Putain. Bon c'est pas grave, on a fait une belle def. Malgré ça. Voilà, regardez, ça ce qui est bien l'exprès, c'est regardez. Hop. Et là, voilà, j'ai pris genre même pas 100 dégâts. Bon, là, puisque je sais, on va remettre une pompe, il n'y a pas de gros sort, ça c'est cool. On va mettre un Arc-X Def, on va mettre une Tesla ici. Et là, jamais une Def. Mais est-ce que vous me comprenez bien, là, est-ce que le deuxième bien n'a jamais une Def? En vrai je vais laisser quoi là, ouais. Je vais même mettre une troisième pompe. Parce que là c'est le moment où on va spam comme des porcs les gars, c'est bon. Est-ce que vous m'avez compris? Hop, il m'a MK, j'avais oublié qu'il allait se méga chevalier, mais c'est pas grave. Puisqu'on a trois pompes sur le terrain, on va juste faire ça. On va me prendre ça. Bah, on va remettre un Arc-X tout simplement. On a l'esprit en plus, on a encore deux pompes sur le terrain. On a dans tous les cas un chevalier en plus. Là on peut quasiment faire une Tesla. On peut même mettre une bûche parce qu'on a trop de l'ex. On a infini de l'ex. Et voilà, notre première victoire avec ce deck juste incroyable les gars. Si le gars n'a pas de gros sort, c'est nous. Pas perdre, c'est impossible. Si je joue golem. Golem flèche mec, c'est impossible de lose mec. Et on part pour la deuxième game simplement. Donc load activities only. Et on part en Arc-X Tesla les gars au pont en mode bas les yoku de l'Himalaya. Ok, tempo. Très bien. Ok, bah nous on va juste mettre une mousquetaire. Hop, nickel. Il est bien défendu. Ok, l'esprit. Comme je disais, l'esprit se fait pas one-shot par le mousquetaire, ça c'est cool. Prends un coup, deux coups de mousquetaire avant d'avoir pris trois avant de nerf. On va remettre une pompe, mais cette fois-ci ici, parce que je sens qu'il y a une roquette. Lui, tu vois, je sais pas pourquoi je sens qu'il y a une roquette. Donc. Ok, bon. Hop. C'est pas une. Oh, mais si, c'est bien.
Ouais, du coup, Snowball n'était pas incroyable en fait. Ok, donc lui n'a pas de gros sort, c'est bah, c'est volant. Bon bah, je pense qu'on va dire que moi, on met son pompe. On va remettre une pompe. On va pas remettre une mousquetaire aussi. Ok, bah, il force, hein. Hop, petite bout de chasse. Nickel. Ok, bah on va repartir en artiste Tesla, les gars. Cette fois-ci, on s'y attendait. Nickel, on a encore bien fait chaud, ça c'est cool. Là, on va prendre extrêmement. On va prendre énormément de dommages sur le tour. Ok, il a bien joué, là, il a bien joué. Hop, bon là, on va repartir. Il a un peu arrêté. Bon, il a bien pris shoot. Hop, voilà, nickel. Ok, bon. On va remettre une pompe. On va juste bûcher tout ça. Je pense que ça fait taf. Bûche plus le bois, je pense que ça fait clairement taf. Hop, nickel. Bon, on va mettre une Tesla. On va remettre une pompe. Ok, hop, voilà, nickel. Hop. On va remettre une Tesla. Hop, on peut mettre une snowball. On va remettre un esprit électrique. On va mettre une bûche en plus. Bah, on va mettre une deuxième Tesla dès qu'elle meurt. C'est facile là. Hop, voilà, nickel. On va mettre une mousquetaire. On va remettre une pompe. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de tempo. Pour ça se voit. Hop. On va mettre une bûche. On va cycler un peu les sorts. J'ai une cyclée sorte pour m'enculer. Hop, on va mettre une pompe. Hop. On commence à avoir beaucoup de pompes là, les gars. On commence à avoir énormément de pompes, les gars, sur le terrain. On a 5 pompes, les gars. Et voilà les gars, on part sur cette ruine de type spam avec 5 pompes sur le terrain, c'est juste incroyable. Ok, bah nickel, on va récupérer 25 esprits de guérison, c'est cool. Moi ce que je veux juste c'est ça. Ok les gars, on part sur la prochaine game, c'est parti. Il y aura la partie 2 les gars demain. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez quel concept vous voulez que je fasse. Décalatoire ou genre vous me dites un deck et je le fais et puis voilà. Bon, ok, lui recrue first play, Nikumukli Malaya, hop, on va partir en bûche, on va partir bûche pompe. Là la défense va être en axe par contre. Ok, oui, esprit. Ah ouais, ça peut se jouer avec la halo. C'est qu'avec la halo ça joue. En vrai ça joue. Ouais, pourquoi pas, c'est intelligent, par contre, non. Genre, je suis pas d'accord, tu touches. Ah, aussi, mais vas-y, frère, je suis un autre jour. Ouais. Bon, est-ce qu'on pose une pompe, ça, c'est la question. Ok, bon, on pose une pompe, ok, c'est une pompe value. Tranquille. Alors là, le problème que je vais avoir, c'est... Je sais pas comment... J'ai fait un peu tout défendre. Un bozard kick chevalier, frère. Ça passe ou ça casse, hein. On va être une jolie snowball. Après, on va mettre une bête bûche. En fait, la technique là pour gagner, ça va être de garder ma pompe en vie.
Repousser recrue, logique. Nous on va mettre un Arctic Slam comme ça maintenant. Ah, cette fois il a mis PK, ça va changer la donne. Ah. Bon, on va dire j'ai bien pré shoot, on va mettre ça, on va mettre ça. Je vais mettre une bûche là. Je crois que j'aurais dû bûcher de côté, ouais là j'aurais dû bûcher de côté. On va perdre la tour. Ouais, je pense que ça va passer sur une mise. Le problème c'est qu'il y avait des recrues, là, donc, bon, voilà. Est-ce que je l'avais dit? Oui. Est-ce que je savais qu'il allait faire ça? Je sais que ça plus toi aussi. Le chevalier. Alors, on a un Arctix. On va mettre une snowball. Puis on met masse dégâts, on met un esprit pour tanker. Ok, on va mettre ça. J'ai. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour prendre des crecrues, ça peut être chaud. J'avoue, des crecrues, ça peut être chaud. Ceux qui l'ont mis recru first play, voilà, vous connaissez le bice. Ok les gars, on part sur cette dernière game de la vidéo contre Danny 93 de Bella Ciao. Et on part en Arctic, qu'est-ce qu'à faire ça. Ça fait plaisir. Ok, cache goblin. Jamais trop de bâtiments. Ouais mais il a trop de battes frère. Bon le bomber il meurt demain ou après-demain là. Ah, même ça, ça meurt jamais là. Bon, il a deux bâtiments, normalement il devrait pas avoir de... Ah ouais, carrément là. Hop. On va ralentir le GR. Ok, bon. On a une tour à 1000 HP, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on a un Arctis? Non, je préfère le jouer l'Arctis. Bon là donc le gars il va pas s'y attendre hein, mec, là quand je vais avoir 28 d'Elex là, il va kiffer. Hein. Ça va cool, c'est vraiment trop fort. Hein. Bon bah GG mec, ta lose. Je pense clairement j'ai été meilleur. Hein. Oh là là. Le beau pré-shoot de la part du joueur français. Nickel. Bah juste parfait. On va remettre une pompe. Un poids à chaque fois, ils vont taper 0 poids à chaque fois. On va aller prendre cette tour. On va remettre en GR, mais nous qu'est-ce qu'on a? On a l'artiste défensif. Il me dit bonne chose à chaque fois qu'il met en GR, ça me fait. On va mettre un esprit parce que sinon il va être casse-couille. Et ce que là ça va être chiant. Ok bon. Voilà, on va clairement mettre une bûche. Pas que notre Ok non, merde ça c'est une poupe pas mieux, c'est pas dégueulasse. On va remettre une pompe tranquillement. C'est un enjeu, on aime bien pomper. Ok, il met un magic, un sorcier. J'ai un peu raté ma Tesla, je crois. Ouais, j'attends que Tesla merde. Hop. Nickel, on a fait une excellente défense, ça c'est cool. On va remettre une pompe. On va mettre un Arctix. Quand il n'y a pas de grosseur, on peut accumuler les bâtiments. C'est fou, on rate pas la tête. On va mettre sa bûche. Hop. Voyez, ça va pas trop nice. On va pas mettre une pompe. On va pas mettre même un truc en Arctix. Allez, on a un troisième Arctix. On va mettre un deuxième truc qui s'est pété. Et là, c'est la victoire. Contre Danny 93 de Bella Ciao. Ok, nickel. On va récupérer des pièces. Des pièces, c'est un plaisir. Et puis voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager. Et ciao.